Ah, voilà, gros sou. Eh bien, Spiro, regarde un peu ce que j'ai là. C'est une figurine taille réelle de singe de l'espace, avec son fusil laser qui fonctionne. Je le laisserai bien sortir pour que tu joues avec lui. Mais la sorcière le pense dangereux. Ah bon? Tu ne veux pas le libérer? Oh, que t'arrive-t-il, petit dragon? Tu es jaloux parce que tu n'as jamais eu de figurine à ton image? Si, y en a eu. Eh bien, Spiro, regarde un peu ce que j'ai là. C'est une fille. Ah, tu ne peux pas Ils vont t'empêcher d'aider payer! les pauvres petites créatures, hein, Spiro? Enfin, il ne peut pas y avoir de mal à le laisser sortir, je suppose. Oui! Enfin! Je suis libre! Merci, Spiro! Oh, dis! Tu as déjà vu un ours danser? Danse, pied tendre! Non. Alors, c'est ton jour de chance! Regarde-moi ça! C'est un sacré danseur, non? Mais pas beaucoup d'endurance! Dommage, il me reste encore beaucoup de munitions! En attendant, j'ai appris que tu avais décidé de combattre la sorcière et ses armées, et que tu gagnais, et je voulais te dire hurra! Youpi! Ouais! Je serais bien resté, mais mon monde a été envahi par les Rinocs après ma capture. Si tu vois la sorcière, dis-lui que je lui donnerai bientôt des leçons de danse, si tu vois ce que je veux dire. Sans problème. À plus! Spiro qui a pas le temps d'en placer une. Ok, très bien. Le labo de l'agent 9. Avec le point d'aptitude de péter tous les palmiers. Oh, c'était quoi? Tu as vu un Rinoc? J'ai cru voir un Rinoc. Oh, crois-moi sur parole, Spiro. Ne passe jamais une semaine dans une cage. Mm-hmm. Tout ce que tu y gagneras, c'est que ton île sera entièrement remplie de Rinoc. Bon, je dois y aller. Mon pistolet laser et moi, on a du travail. Il est insupportable. T'as sur minuit? Ah non, je pense pas que je mettrai jusqu'à minuit. Agent 9. Mon élève préféré. Content de te revoir sur mon île laboratoire. Et moi de revoir ton professeur. Ont malheureusement envahi toute l'île. Tu peux les arrêter avant qu'ils détruisent mes recherches? Eh ben oui. Qui a appris la téléportation d'ailleurs. C'est génial. Donc. Attendez, faut que je me souvienne. Ouais, les déplacements, tu peux faire ça et ça. Est-ce que le bruit est toujours aussi chiant? Ouais, parce qu'il se répète. Donc il y a plein de bruits sympas qu'ils ont pas mis, mais ça par contre ils l'ont bien mis. Ah oui, et puis j'ai plus Sparks vu que je l'ai désparksé. Bon. Oh mon bon vieux temps. Tire sur les mannequins pour t'échauffer. Mais fais attention. Je crois qu'Arina est caché parmi eux. Oui. Donc, allons-y. Donc je peux aussi me mettre en voilà en pur FPS comme ça va être le cas dans... Viens là Sparks. Voilà. Comme ça va être le cas dans l'usine de feu d'artifice. Il est où ce Rinoc? Attends parce que je l'ai pas vu. Alors, je l'ai peut-être touché tout à l'heure sans faire gaffe en fait. T'as envie de lui donner du Valium pour le calmer. C'est franchement exactement ça. Attends mais j'ai toujours pas Sparks. Non mais viens là Sparks. En fait Sparks est génial mais en même temps un peu égoïste. Genre s'il a pas à manger il se casse. C'est quoi cette manière de procéder, franchement? Bon, donc ça, ce sont les palmiers qu'il faudra détruire après avec les bombes. Ce qui va demander plusieurs allers-retours un peu redondants, mais c'est pas grave, c'est comme ça. De nombreux Rinoc attendent que je baisse ce champ de force pour nous attaquer. Il continuera d'en arriver jusqu'à ce que tu tires sur le bouton rouge à côté de la porte d'où ils proviennent. Le petit détail que j'aime bien remarquer, regardez le texte. Jusqu'à que tu tires. Ils ont oublié un mot. Voilà. Je suis donc satisfait de l'avoir trouvé. Ça ne sert à rien. Donc voilà. Ah oui, il faut péter les interrupteurs de porte. Ah oui, donc là il est cassé là. Parce que normalement quand il était cassé dans le 1, il se cassait vraiment. Il était sur le côté. Donc là c'est un tout petit peu moins visible, mais ça va. Attendez, je crois que j'ai oublié les ballons. Hein. Parce qu'il y en a dès le début, il me semble. Et je crois que c'est ça le trophée de ce niveau. Hein. C'est péter tous les ballons. Ce que de toute façon j'aurais fait, puisque chaque ballon contient une jarre de joyaux. Y'a pas un tout petit peu d'autolock là? Non mais. Non, il baisse ta sensibilité le joystick!
Non, s'il te plaît, quand même. Voilà. Tout va bien. Un 25 en plus, hein. Il y a une autre porte à l'extrémité de la plage. Et les rhinocs continueront d'en sortir jusqu'à ce que tu tires sur le bouton rouge. Avance le long de la plage en esquivant et en te mettant à couvert sur la droite. Oui, chef. Si, les palmiers ananas, il faut les détruire tous avec les bombes qu'on récupère un peu plus loin. Pour avoir le point d'aptitude. Attends, j'aime bien comment ils font. Ah, la partie mine des dinosaures avec l'agent 9, c'est horrible. Mais c'est pour plus tard, hein. C'est pas dans ce niveau. J'anticipe parce que je connais le jeu. Alors, l'interrupteur. Vite. Voilà. C'est ces bruits de tir forcément répétés sans arrêt qui sont chiants, mais bon, il n'y a pas trop le choix. Je regarde, il n'y a pas de ballon ici. Pourquoi est-ce que je lève la tête quand je regarde dans un jeu vidéo en haut? Je ne sais pas. Les ananas sont des palmiers, ouais. Ces indicateurs montrent qu'un tas de rhinox se cache derrière l'écran. Je vais allumer le piédestal de vision et tu leur tireras dessus quand ils attaqueront. Sans le moindre problème. Je conseille d'utiliser le mode tireur d'élite. Je crois que ça s'appelait le mode tireur embusqué dans le 1. Je te conseille d'activer le mode tireur embusqué. C'est-à-dire le FPS, quoi. T'es où? Ah, t'es là. Excuse-moi, hein, je vais pas te faire attendre. Je savais juste pas où t'étais. Heureusement que j'ai un casque où je sais bien de quel côté arrive le son, parce que sinon je pourrais chercher. Voilà. Tu les as éliminés. Voyons dans quel état se trouve la salle des machines. Oh, ah oui, les piafs. Ne soit pas très propre. Tu peux pas me partager ta technologie de téléportation, professeur? Ça a l'air intéressant quand même. Alors, il y a des joyaux derrière ou pas? Je sais plus. Il n'y en avait pas. Est-ce que je peux remonter là? Oui, ça évite que je me retape tout le tour. Est-ce qu'il y a des ballons? Oui. Les ballons, ils sont vraiment planqués un peu partout. Hein. Ouais, je vais déplumer les piafs. Comme je le pensais, la salle des machines est envahie d'oiseaux. Pour viser les oiseaux dans leur nid, utilise le mode tireur d'élite, puis zoom pour plus de précision. Ouais, de mémoire, je crois vraiment que c'est le mode tireur embusqué dans le... Ah oui, c'est vrai que je peux zoomer. C'est vrai que j'avais oublié ça. Attends, attends, excuse-moi, j'étais pas prêt. Voilà, ok. C'est L1R1. Regarde la tête! La tête de l'oiseau. T'as pas l'air content. Encore moins maintenant. Et je crois qu'il est derrière l'autre. Je touche pas d'ici. Hein. Ah si, complètement. Excellent travail, agent 9. Ça me donne faim. Pourquoi? Je sais pas si c'est un œuf d'oiseau ou de dragon. Pour l'œuf? Qu'en penses-tu? Tu veux une omelette? À base de bœuf là? Y'a de la bœuf là. Non, j'ai pas dit ça, c'est pas moi. Je peux réactiver le générateur gravitonométrique. J'espère qu'aucun oiseau n'est entré dedans. Oh bah ça alors, si. Plein même. Phase 2. Il y a toujours une phase 2 dans les jeux, je sais pas pourquoi. Bon, il y a maintenant 12 piafs. Oh, et je vais tirer un peu au pif aussi. Hein. En profitant du fait qu'il y a un micro lock, non? Non, peut-être même pas en fait. Ouais, j'en ai eu que 4 en tirant au pif, c'est pas ouf. Hein. Bon, allez. On va viser un peu plus proprement. Je pense que le but de ce personnage, c'est de faire ça. Non mais... Oh, la hitbox, là! Merci, quand même. Vous êtes où, les autres? Vous êtes là?
là et je vous entends mais je vous vois pas. Là. Je suis pas passé loin. Non mais hé. Putain mais comment il esquive tout celui-là? Mais il t'arrive quoi, oiseau? Le laboratoire est dégagé et ça sent déjà meilleur. Allons dehors, je pense qu'on trouvera des Rhinoc en armure. Il te faudra une arme plus puissante si tu veux réussir à les battre. Ça me va bien. Un cookie chocolat noir, pépite de chocolat blanc et lait acheté en boulangerie. Eh ben, présenté comme ça, ça a pas l'air dégueu. J'aime bien les cookies... un peu mous. Tu sais, pas qui croque et qui part en poudre. Y a pas un moyen de resparxifier là? Je crois pas. Y a pas un ballon? Je crois pas non plus. Au pire, Sparks me l'indiquera quand je l'aurai retrouvé. Sparks? Non mais Sparks. Merci. Ah voilà les fameuses bombes qui vont servir pour les ananas palmiers. Et les coffres. Les bombes de ce distributeur devraient être très efficaces contre leurs armures. Tu devrais essayer. C'est carré les bombes. Donc j'en ai combien à chaque truc? J'en ai 10, c'est ça, ouais. Okay. Les cookies de la Micaline. Je vois pas trop comment ils sont. Je sais pas si j'ai déjà goûté ceux de la Micaline. Alors là, on va péter la porte à distance. J'y étais. Hein. Là, j'y suis pas, d'accord. Ah oui, il y avait un... Je sais pas si c'est volontaire ou si c'est un bug, j'ai jamais su. Il y a un point d'aptitude ici. Où à chaque fois que je le prends... Non, c'est un œuf, je crois. Quand je le gagne, il me dit que je l'ai déjà. Alors que c'est la première fois que j'arrive là. Quand je pète tous ceux qui sont en bateau, ça me donne un œuf. Et l'œuf, il me dit, je l'ai déjà. Donc, de quel œuf s'agit-il? C'est le seul œuf que tu peux avoir à deux endroits différents. C'est un bug, c'est voulu. J'ai jamais compris ce qui se passait ici. Voyons ce qu'il va me dire. Tony Stark? Est-ce que samedi je l'ai déjà? Non! Donc c'était bien un bug du jeu d'origine, le fait d'afficher tu as déjà cet œuf alors que je l'avais pas. Donc ok. Je pense, je suis même sûr que si vous allez voir ce niveau dans le jeu de base, dans mon guide du jeu de base, vous verrez ça. Et je suis sûr que j'en parle. Les cookies chocolat blanc cranberry sont les meilleurs. Eh ben, je connais quelqu'un d'autre qui pense comme toi. Mais c'est pas mon kiff perso. Enfin, je les aime bien, mais c'est pas mes préférés. Mes préférés, c'est bah, normaux au chocolat, quoi. J'en ai acheté il y a pas longtemps et je sais plus la marque des chocolats blancs cranberry. J'ai goûté et bon, j'ai trouvé que c'était sympa, mais pas ouf, quoi. Mais t'es pas... Tu n'es pas la seule. C'est là? Oui, c'est Sekhmet qui a dit ça. Tu n'es pas la seule à trouver que ce sont les meilleurs. Ouais, il y est dans le jeu de base. Hein. Je me suis toujours demandé pourquoi. Est-ce que c'était un bug d'affichage? Est-ce que c'était vraiment un double œuf? Voilà. Donc là, vu que ça ne se répète pas, donc je pense que c'était juste un bug d'affichage du jeu de base. Tac. Bon, là j'ai visé un peu YOLO. Complètement même. Il n'en reste plus beaucoup. Tu peux y arriver. Il me tire dessus là. Ok, on est bon. Je veux des cookies. Merci d'avoir sauvé mon laboratoire. Je peux recommencer à réfléchir. Rowan. Mr. Bean.
Bien, j'ai tous les œufs. Ça m'a débombé, c'est chiant, il faut que j'aille rechercher des bombes. De toute façon, là, je vais devoir faire des allers-retours pour finir tout ce que je dois faire avec les bombes, c'est-à-dire encore pas mal de trucs. Waouh, tous les jeux de disques qu'il y a là-dedans. Donc, déjà, les ballons, je suis sûr qu'il m'en reste. Hein. De toute façon, c'est sûr, puisque je n'ai pas eu le trophée. Bon, il faudra que je l'aie d'un peu plus loin, celui-là. C'est pas grave. Tam. Voilà. Là je l'ai. Hein. Je l'ai. Pas de trophée. Si, terreur des ballons. Super, ce trophée me permet de savoir que j'ai plus de ballons à exploser. C'est déjà bien. Donc, et il me reste tous les palmiers pour le point d'aptitude. Et il y a un coffre là-bas, vers le début. Je suis trop pressé lundi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu fais lundi? Tu vas chercher des cookies. Non, j'imagine que c'est par rapport à ta jambe. Alors, obligé de se retaper le trajet, c'est la partie un peu rude. Peut-être que je peux le faire en un seul chemin en fait. Je sais pas si j'ai assez en fait. Ah si, ça devrait peut-être. Ouais, point d'aptitude. Nickel. Bon bah alors, c'est bon. Il me reste à détruire ce coffre quand même. J'ai pas besoin de refaire le trajet deux fois. Dans ma tête, je croyais que c'était deux fois. J'ai pas tous les joyaux. Donc... c'est derrière ce mur, c'est-à-dire au niveau de la fin, ouais. Donc ça avance. J'ai tous les œufs, tous les ballons, j'ai le point d'aptitude, il me manque quelques joyaux. Ça va être bon. Hein. Bon, c'est le niveau tuto, comme à chaque personnage, mais... il est pas hyper intéressant, ce personnage. Mais après, je le trouve plus plaisant à jouer que Sheila. J'arrive pas à jouer Sheila. J'enlève les agrafes et je recommence taquiner. Ah, bah effectivement. Je comprends que tu sois impatiente. On reprend ça au cas où, parce que je sais plus ce qu'il reste là-bas. Je vise méga bien. Regardez cette qualité. Ah, quand même. Alors, où est-ce qu'il me manque? Ah bah oui, le coffre, évidemment. Allez, on est bon. Oui, 700 joyaux, les œufs, le point d'aptitude, le trophée. Parfait, on s'en va.